Je suis Koulibaly Clotureman Ahmed, étudiant en licence 3 en développement d'applications et e-services à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter brièvement mon rapport de stage. J'ai effectué mon stage au sein du SPI, le service de projet de l'incubateur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui s'occupe de l'accompagnement des projets novateurs et générateurs de revenus des étudiants de la dite université. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, en abrégé UVCI, est un établissement public qui est basé sur la formation à distance. Elle forme vers un métier du numérique et contient 6 spécialités. Nous avons le développement d'applications et e-services, la base de données, le réseau et sécurité informatique, multimédia, art numérique, la communication digitale et le e-commerce et marketing digital. Passons au 10 projets. Le transport routier en Côte d'Ivoire occupe une place importante dans l'économie nationale. Sa contribution au PIB s'élève à plus de 5% et emploie environ 70 000 personnes. A fortiori, le transport interurbain est exploité par des entreprises légalement constituées et par divers exploitants individuels qui desservent les villes du pays et les grandes villes des pays voisins. Malgré la présence de structures telles que Celtiquet, M-Ticket, Trip Afrique, le transport interurbain reste miné par plusieurs maux tels que l'insécurité dans les gares routières, les longues files d'attente, l'irrégularité dans les gares. En somme, un secteur fortement marqué par l'informel. En vue donc de moderniser ce secteur par le numérique et de résoudre ses problèmes, Transci s'est vu naître. Transci, c'est une start-up qui offre une plateforme de réservation et d'achat de tickets en ligne. Ce projet novateur pour se démarquer du lot doit avoir un système de gestion performant. C'est dans cette optique que je me suis vu confier la conception d'une plateforme d'administration réactive afin d'optimiser les performances. D'où l'intitulé de mon projet de fin d'études, la conception et la réalisation d'une plateforme d'administration pour la gestion des types de transport. Pendant ce stage, les difficultés rencontrées ont été mineures et ne s'élèvent qu'à quelques marges, quelques messages d'erreur dans l'exécution des codes. La solution est réalisée, cependant les perspectives restent nombreuses, notamment l'intégration de chatbots permettant les échanges client-administration ainsi que des fonctions administrateurs plus poussées et plus faciles à mettre en œuvre. Je vous remercie.